Bonjour les citizens, aujourd'hui on va aborder un sujet assez particulier qui concerne tous. C'est en quelque sorte un appel à la solidarité à l'endroit de la musique guinéenne. C'est en même temps aussi une sensibilisation très rapide. Suite à la mort de Mori Kanté récemment, il y a eu une certaine prise de conscience chez beaucoup de compatriotes guinéens. On s'est rendu compte en fait qu'on a des artistes, des légendes chez nous, de grands artistes qui ont fait des œuvres qui resteront à jamais dans l'histoire guinéenne, africaine, voire internationale. Mais fort malheureusement, ces personnes ne sont pas vraiment mises en valeur de leur vivant. C'est pourquoi sur la page Citoyen 224 récemment, on a ouvert une parenthèse pour rendre cet hommage à plusieurs artistes guinéens, connaître leur histoire, connaître qui ils sont et aussi leur montrer notre solidarité pour ne pas qu'à leur mort, on soit tous là à les pleurer alors qu'il est trop tard. Nous avons beaucoup de légendes, notamment Fodé Baro, Les Gaba, Yaya Bangoura. Nous avons aussi des personnes derrière ce décor, comme les Petit Condé, plein d'autres. Je ne saurais en citer tellement qu'il y en a. Donc, ce qu'on doit faire en tant que Guinéen aujourd'hui, c'est très simple. C'est être reconnaissant. Reconnaissant pour ces artistes qui nous ont bercés pendant toute notre enfance, bien avant même notre enfance, ces artistes qui resteront emblématiques à jamais. On doit montrer un élan de solidarité, pas seulement en leur apportant de l'argent, mais en essayant de valoriser leur musique. Chacun peut faire ce qu'il peut, partager le lien d'une vidéo, on écoute toutes les musiques guinéennes, parler d'eux ou chercher à connaître qui ils sont vraiment pour ne pas avoir ce regret une fois qu'ils sont morts et découvrir des choses qu'on ne savait pas sur eux. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Si vous avez des impressions, vous avez des informations ou vous avez eu aussi le même ressenti qu'on ne valorise pas assez nos artistes, dans les commentaires, laissez vos messages et on essaiera peut-être de débattre sur ce sujet très vite. Je ne vais pas être longue, on va donc s'arrêter là. Encore une dernière fois, paix aux âmes des grands artistes guinéens qui nous ont quittés récemment et on souhaite que ce message va toucher tout le peuple guinéen, la jeunesse, les vieux, partout dans le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à Citoyen 224, on est sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook et Instagram. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.